Et on va continuer de suite avec des nouveautés de l'éditeur d'État. Alors, vous le savez, dans WinDev, vous disposez d'un éditeur d'état très évolué. Vous pouvez produire tous les types d'états, des états de tableau, des étiquettes, des états basés sur des tables, des tableurs, des TCD, des plannings, des diagrammes de Gantt. Et ces nouveaux versions 22, vous pouvez à présent créer automatiquement des états basés sur des champs zones répétées. Une autre nouveauté, pour améliorer la mise en page de vos états, le texte délibéré peut maintenant être justifié, en plus des alignements traditionnels. Vous le voyez ici, sur le texte du président. Ça, c'est encore une nouveauté que vous nous aviez beaucoup demandé. Autre nouveauté dans les états, les masques d'affichage avancés qui vous permettent de choisir la couleur d'affichage selon la valeur affichée. Alors ici, vous le voyez, le résultat net, il sera affiché en vert s'il est positif, en rouge s'il est négatif. Et puis je vous rappelle que l'éditeur d'état et aussi l'éditeur de requêtes d'ailleurs, eh bien vous pouvez les diffuser librement avec vos applications. Il vous suffit de cocher la case Inclure le logiciel état et requêtes dans l'installation de votre application. Et comme ça, eh bien vos utilisateurs finaux peuvent créer leurs propres états et leurs propres requêtes.